C'est quoi cette tronche là? Un quoi, c'est ma tronche? Ouais, bah faut que t'en changes, c'est plus possible cette tronche là. C'est à cause de Juliette. Encore? Mais putain, tu te rends compte que tu te prends plus la tête depuis que t'es avec elle que quand t'étais pas avec elle? Non, mais aujourd'hui elle m'a dit qu'elle me trouvait trop tranquille comme mec. Limite pépère. Oui, bah ça. Bah quoi? Je suis un ouf, moi j'ai rien de pépère! Ah bon? Non, pose pas ta canette comme ça là, sur le bois ça fait des traces. D'accord, le mec est un rebelle. Faut que je fasse un truc de ma boule, tu vois. Un truc de mec hyper cool. J'ai une idée. C'est peut-être un peu con. Sûrement. Mais vas-y quand même. Mon oncle, il a un resto rue Caulaincourt. Et il me kiffe. Et je me dis que si je l'appelle, je peux le mettre dans la combine. Quelle combine? T'emmènes Juliette au resto, dans son resto. Et après, à la fin du repas, tu lui proposes de te barrer sans payer. Oh bah merde! C'est pas con, j'en reviens pas. Moi non plus, c'est... Je peux te parler franchement. On se connaît pas super toutes les deux. J'ai mis du temps à le réaliser, mais Adam est quasi parfait comme mec. Mais il y a pas de mais. Mais on, c'est vrai que je le trouve un peu pantouflard quand même. C'est pas trop un aventurier. Il joue vachement la sécurité. Parfois, je le sens à deux doigts de sortir un Scrabble. Moi, c'est ses cheveux hein, qui me dérangent en premier. Putain, mais je m'en tape de ça. Je suis pas superficielle à ce point. Mais il y a pas de mais. Mais bon, quand il pense. Un défrisage, ça coûte quoi? C'est sûr. Yo, mec. Alors? Alors, j'ai fait tout comme tu m'as dit. Hein. J'ai été au resto de ton oncle avec Juliette, on a dîné, et à la fin, au moment de l'addition, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Viens, on se barre sans payer. » Putain, trop fort, mon gars. C'est bon, ça. Elle a kiffé grave, ça l'a grave excité. Alors, tu dis merci qui? Ah ouais, merde. Dis-moi, Slim, il est au 6 ou au 9 de la rue Caulaincourt, le restaurant de ton oncle? Il est au 9. Non, c'est le 6. Attends, je t'avais dit quoi? Tu m'avais dit au 6. Mais non, c'est le 9. Sans blague. Bon, j'y vais. Ouais, dégage. Non mais tu vois, t'avais tort. Adam, c'est un malade dans sa tête. Partir d'un resto sans payer, c'est un truc de ouf, ça. Il est vraiment parfait comme mec. Mais... Mais y'a pas de mais... Et bon, par contre, à la baïa, y'a un vrai problème. Il se bat comme une fille. En plus, il pousse des petits cris, je te jure, c'est limite embarrassant. On m'en doutait.